Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière, puisqu'on va se retrouver en MME pour un petit défi 75 frags, donc en compagnie de Rage Dogs, Rage Neo, ainsi que trois abonnés que je remercie, donc RageKit360, Pad Silver et donc tout en haut que je ne vois pas puisque Rage Pookie a commencé à jouer Modern Warfare 3, donc 360, ah oui, et Phase. Voilà, donc merci à eux déjà pour cette tentative défi 75 frags sur la map mission. Et je suis en compagnie, je suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Gâcherois. Salut à toi. Eh bien, salut à toi Hypno, c'est avec grand plaisir que je commente cette partie avec toi. Voilà, donc bah ouais, effectivement, donc Gâcherois, il y en a qui doivent, pour la plupart, vous devez quand même le connaître. Donc tout de suite, comment on va se retrouver sur la map mission? Je vais vous décrire ma classe qui est donc classe CR avec silencieux chargeur grande, capture de passe-passe pro, détermination pro, tireur d'élite pro. Je joue avec le C4 et le petit. Alors c'est comment le petit capteur là que tu peux lancer, reprendre Radar portatif. Radar portatif, voilà. Je joue avec le Predator, l'hélico d'attaque et l'AH6. Puisque je tente le défi 75 frags. Je te laisse décrire le défi 75 frags, ça consiste à quoi? Eh ben, le défi 75 frags, c'est de une personne qui fait tous les kills, donc 75, c'est pour ça qu'on appelle le défi 75 frags. Et donc les coéquipiers ne doivent pas faire de kills. En général, ils se mettent donc au bouclier et voilà, ils essayent d'aider donc la personne à faire ce défi. Donc, voilà, Voilà, je pense avoir un peu résumé. voilà, puis surtout bah, préciser que c'est en MME, Ouais, puisque voilà, c'est en en MM. combinaison c'est beaucoup plus simple, puisque là la MME, comme vous savez, c'est 7500, la MME simple, hein, 6 contre 6, c'est 7500 points. Donc le but c'est de faire en gros 75 frags au total de l'équipe, sauf que là les 75 frags c'est moi seul qui dois les faire. Alors est-ce que je vais réussir ou pas? Vous le verrez dans la partie. Si j'ai pris gâche aujourd'hui justement, c'est bien pour deux raisons. Bah, premièrement, c'est mon leader, mon référent sur PlayStation 3. Donc sachez qu'en ce moment, la Team Rage donc, recrute. Et donc le leader de la Team PlayStation 3, celui qui va gérer, c'est Gâcherois. Au même titre que Samus, parce que de ce que j'ai compris, vous vous mettez un petit peu égal, c'est ça? Ouais, on est tout à fait égal, enfin Voilà, alors là, attends, je te coupe. Attention, le petit préda que j'envoie pour la petite quinte. Voilà, donc il faudra que je regarde s'il y a eu le sixième. Et ça m'étonnerait, j'ai failli faire un full team. Donc une quinte feed. ça Au aide bien. Predator, voilà, ça aide super bien. Donc oui, je disais, donc Samus 300 co-leader hein, avec toi. Ouais, Voilà. voilà, enfin on est bien complémentaires, donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien entre nous deux. Voilà, donc c'est vraiment eux qui vont gérer. Là en ce moment, c'est vrai que Samus est un peu plus occupé. Donc c'est vraiment toi qui gères en ce moment le recrutement de PlayStation 3. Ouais, voilà. On prend le temps de le faire. Et donc voilà, donc je vous présente ma Gâcherois, donc il sera le leader sur PlayStation 3. Et aussi bah parce que t'as un petit peu un rapport avec cette vidéo. Tu as une chaîne YouTube, il me semble. Oui, il me semble aussi que j'ai une chaîne YouTube. Et Je qu'est-ce que juste tu peux passer. bien faire sur ta chaîne YouTube? Eh ben, sur ma chaîne YouTube, donc il y a tout type de gameplay, bien sûr. Mais il y a peu de temps, j'ai lancé une série sur le défi 75 frags. Donc voilà le rapport avec la vidéo. Mais moi, ça a la particularité, c'est que je le fais sur toutes les maps. Donc c'est vrai qu'il y a des maps où c'est plus facile que d'autres à le faire. Et voilà, c'est un défi assez compliqué à réaliser, assez long. Donc voilà, c'est la série que j'ai lancée sur toutes les maps. Voilà, effectivement, donc comme vous l'avez compris, il essaye sur toutes les maps de Call of Duty Modern Warfare 3. Toutes les maps livrées en début de jeu, hein, parce que les map packs, il me semble que tu les as pas. Non, je les Mais les achète maps pas. de base, donc je crois que c'est quoi, 14, 15, quelque chose comme ça. 16. 16, voililà, 16. Ouais. Donc il essaye sur les 16 maps. Alors vous doutez qu'il en a déjà réussi sur plusieurs maps. Maintenant, voilà, je vous invite à voir sa chaîne qui sera dans la description, qui sera en lien dans la vidéo, etc. Je vous invite à voir si vous voulez voir sur combien de maps il a pu le réussir, etc. Vous doutez bien aussi que bah, si je présente sa chaîne, c'est déjà d'un pour le remercier, puisque en tant que leader PlayStation 3, il fait un gros taf. C'est aussi parce que ça fait un moment qu'on se connaît, c'est aussi parce que moi quand j'ai commencé j'aurais bien aimé un petit coup de pouce, enfin c'est toujours sympa, etc. pour pouvoir décoller, prendre son envol. Et c'est aussi parce que bah, si je vous envoie sur sa chaîne, c'est qu'il y a de la qualité, c'est que c'est des gameplays intéressants à voir, que les commentaires sont bons et qu'il a une bonne élocution, donc vous inquiétez pas. Il m'a pas payé, hein. Il a pas mis des gameplays trouvés sur internet et il m'a pas filé un chèque. Enfin d'ailleurs, t'as reçu mon adresse postale hein, pour le chèque. Ouais, c'est ça. C'est bon, hein, c'est comme on a dit, hein, 10 000 euros, tranquille, c'est normal. Ouais, t'inquiète, je te les envoie.
Non, je plaisante. Voilà, donc là, bah, le défi pour moi, pour le moment, se déroule bien. Je suis à 40 frags, il reste 6 minutes. Maintenant, voilà, hein, les défis 75 frags, c'est difficile. Parce que l'ennemi, s'il débloque beaucoup de killstreaks, eh ben, il peut vous faire perdre. S'il rage quitte, ce qui arrive souvent, parce qu'il voit que ben, les 5 autres ne jouent pas le jeu de mon équipe, donc eh ben, ils vous feront planter la partie. Donc vous verrez vraiment si je vais pouvoir y arriver ou pas. Donc il y a beaucoup de difficultés. Il y a le temps, on court beaucoup, on cherche les ennemis. Donc il y a plein de facteurs qui font que ça rend le défi difficile. Ouais, il y a les maps aussi, des fois des grandes maps où tu cours beaucoup, tu cherches. Hein, toi, pour le tenter sur toutes les maps, je pense que tu t'y connais pas mal. Ouais, j'y passe du temps. Pour certaines maps, j'ai passé du temps. Voilà, donc là vous voyez, hein, le but c'est de pas prendre des gros killstreaks, c'est de pas trop être gourmand en killstreaks, mais de les faire beaucoup et souvent. Donc là je sais pas, je suis déjà à mon 2 ou 3ème à H6. Donc ça aide pas mal, surtout sur cette carte. Et il faut espérer que les ennemis détruisent pas tout, parce que si vous détruisez tout, forcément. Là c'est pas le cas, hein. Je crois qu'il laisse quasiment les appuis aériens aller jusqu'au bout. Là vous avez vu que j'ai pris une PP90M1 et là j'étais plutôt dans une bonne série, il me semble. Ouais, je dirais pas une grosse tentative MOAB, mais bon là j'étais toujours pas mort. Alors je sais pas si j'ai fait deux séries de killstreaks d'affilée sans mourir, ou si c'est ma première et j'entame ma deuxième, mais bon voilà. Donc sinon, peux-tu nous parler un petit peu du recrutement PlayStation 3? Qu'est-ce qui se passe? On a reçu de nombreuses candidatures, environ 90. Ouais. Donc on a regardé les critères qui étaient l'âge, les modes de jeu, les horaires et avoir Skype. Pour moi, c'est les 4 critères les plus importants. Voilà, exactement. Je repréciserai pour l'âge effectivement que... On est honnête, on le dit, parce que beaucoup de teams, quand ils recrutent, le prennent en compte et vous le disent pas. Moi, j'estime que je vous dois d'être honnête, surtout par rapport à mon âge. Je me dois d'être honnête. Donc, ça serait dommage de laisser l'espoir aux tout jeunes et qu'alors je sais au final que je les prendrai pas. Et tout ça s'explique simplement, je l'ai déjà expliqué, il n'y a rien de méchant contre les plus jeunes. C'est juste que je vous conseille d'aller dans une team où les personnes ont les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes sujets de conversation, sinon vous allez clairement vous faire chier. Donc voilà, là, le défi se termine, 75 à 10. Donc pour moi, c'est un défi 75 frag réussi sur la map mission. J'ai voulu faire ma kill cam au C4, une double, mais j'ai fait un hitmarker et un simple kill, donc j'ai dû terminer avec mon ACR. Pareil, hein, quand vous faites le défi 75 frag, mettez toutes les chances de votre côté. Là, j'ai pris une arme qui est plutôt bonne au niveau de tous les stats, à savoir la CR. Et donc voilà, je sais même plus de quoi j'utilisais. Donc là, c'était pour être honnête, j'ai rien contre les plus jeunes, c'est juste que je pense qu'il faut rester dans les mêmes créneaux d'âge pour se retrouver en team. C'est beaucoup mieux et plus plaisant pour tout le monde. Voilà. Donc pas mal de demandes. Hier, j'ai pu tester avec quelques personnes qui sortent déjà un petit peu du lot. Ouais, on en avait parlé et voilà, t'es tout à fait d'accord avec moi. Ouais, voilà, sur certaines personnes. Maintenant, je sais que moi, je prends le temps. J'avais fait ça sur Xbox. Ça paraît très long, mais j'avais pris un ou deux mois, certains, pour recruter, pour valider. C'est pas parce que je demande quelque chose ou que je me sens supérieur, loin de là. C'est pour être sûr que tout le monde se corresponde bien, que tout le monde s'apprécie. C'est vraiment dans cette optique là, c'est pas dans l'optique j'ai envie d'être difficile sur le niveau, c'est plus difficile dans le fait d'être sûr que les gens se correspondent bien, etc. C'est pour tout simplement que après tout se passe au mieux, et ce qui est plutôt le cas sur Xbox, et j'espère que ça se reproduira sur Play. Que je te le souhaite, puisque c'est surtout toi et Gash et Samy. Voilà. Donc là, en ce moment, il y a un petit gameplay en arrière-plan, donc vous l'aurez compris que c'est plus moi qui joue. Cette fois-ci, c'est une tentative défi 75 frags de toi-même. Ouais, voilà, de moi. On vous dira pas, va-t-il réussir ou pas. En tout cas, vous voyez en arrière-plan pour le moment son gameplay. Parce qu'il y a eu de nombreux fails, c'est vrai que j'en ai gardé quelques-uns. Ouais. Et peut-être que là, c'est encore un fail, vous verrez bien. Voilà, la vidéo. Sinon, est-ce qu'on a parlé de tout ou pas? Parce que je compte sur toi pour m'aider un petit peu, m'aiguiller. Oui, on a parlé de à peu près tout. Donc, pour les tests, on a retenu à peu près 20-30 personnes qu'on teste. Donc, certaines jouent plus que d'autres. Donc, bien sûr, je peux plus les voir. Donc, je peux plus voir comment ils sont. Les autres qui jouent moins, c'est vrai que je peux pas trop les tester. Je sais pas grand chose sur eux, donc c'est plus difficile. Ouais, oui, c'est clair, c'est clair.
Donc, ouais, voilà, effectivement, pour ce qui est des tests, et donc pour ceux qui veulent savoir le recrutement de la team PlayStation 3, bah, écoutez, c'est une vidéo qui se trouve sur la chaîne de Team, que vous aurez dans la description ou en fin de vidéo. Et la vidéo du recrutement, pareil, vous l'aurez en lien dans la description et en fin de vidéo. Donc, comme ça, vous aurez tout, tout, tout. Et n'hésitez pas à aller voir vraiment la chaîne de gars, je pense qu'il le mérite et vous allez pas vous faire chier parce que de toute façon, vous avez pu le voir sur mon gameplay, un défi 75 frags, c'est quand même plaisant à regarder. Puisque ça oblige à rusher pas mal, donc vous vous endormez pas, il y a beaucoup de kills. Enfin, moi je sais que je. Moi c'est des défis, dès que je vois, hein, même des youtubeurs que je connais pas, défi 75 frags, je regarde parce que je sais que forcément, si la personne poste, même s'il le réussit pas, il va y avoir beaucoup de kills. En tout cas, moi c'est comme ça que je le prends. Et bah, c'est vrai que c'est une autre façon de jouer, c'est autre chose quoi. C'est pas un simple gameplay. Ouais, exactement. Bon, y a bah écoute. Petits trucs en plus. On va se laisser là-dessus. Ouais, pas de soucis. Bah encore un grand merci à toi en tout cas. Bah écoute, c'est normal hein, bah les gens n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas moi je vous dis portez-vous bien et puis bah on va se quitter, vous verrez pas la fin du gameplay hein, sur cette vidéo. Mais vous allez voir une petite intro, une outro, restez pour l'outro, ça va être total épique, je viens de la tourner. Je pense que vous allez pas être déçus pour cette outro, mais très sérieusement, vous allez me prendre pour un psychopathe. Je pense que vous allez m'envoyer la camisole de force. Mais bon, why did see comme ça. On dit. Bah écoute Gash, à la prochaine. Ouais, à la prochaine tout le monde. Hein. Allez, ciao tout le monde. Hey, voilà, c'est terminé. Eh bien oui, c'est terminé. Tu aimerais voir hein, un petit peu ce qui va se passer dans le gameplay de Gasheroi. Voir s'il a terminé le défi 75 frags. Oui, je suis désolé, hein, je suis aux toilettes en même temps, j'avais des trucs à faire. Je me suis dit, bon, bah mince, hein, je vais faire deux choses à la fois. Hein, je vais, comment dirais-je, faire mon devoir d'homme aux toilettes ainsi que vous faire cette petite outro. Et bien, écoute, si tu veux voir la chaîne de Gash et t'abonner, ça va se passer ici. Et si tu veux t'abonner tout simplement à ma chaîne pour voir encore des débilités pareilles, et ben ça va se passer ici. Et si tu veux voir la suite et la fin du gameplay, le voir en commenter le gameplay de fin de Gasheroi du défi 75 frags pour voir s'il a réussi, bah ben ça se passe ici. Voilà, voilà. Et puis ben écoute, bon on va rester ensemble un petit peu. Moi je sais que j'ai un petit peu faim, donc je vais un petit peu manger. Tu m'excuseras. Hein. Bon, voilà quoi, hein. Normal. J'ai envie de dire que, ouais, il faut que je mange un petit peu. Voilà. Eh bien, écoute, si cette outro t'a plu, si tu veux d'autres petits délires comme ça d'hypno, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme dans la dernière vidéo, j'ai vu que vous avez aimé. Eh bien, j'ai refait encore une petite outro un petit peu particulière, je l'avoue. Vous avez toujours un des petits liens normalement de la chaîne de Gasheroi, la chaîne de Team et de la vidéo de Gasheroi. Eh bien si t'as aimé tout ça, je t'invite à lâcher un petit j'aime, un petit favori, pourquoi pas, puis surtout les commentaires pour me dire un petit peu ce que tu attends sur ma chaîne, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Très prochainement, je pense un coup de cœur, ça fait un petit moment. Bah écoute, en attendant, moi je te dis, ben garde la pêche, garde la patate, surtout une putain de banane. Ouais, une putain de banane. Une putain de banane. Et puis ben, je te dis à la prochaine. Allez. Ciao boy. Attends, un petit pour la route. Au top. Allez, à plus. Ciao.